À la suite des contrôles effectués par les équipes de la brigade des contrôles de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, sur l'ensemble du territoire national, force est de constater d'importants manquements imputables aux opérateurs de téléphonie mobile. Au cours de ces différentes descentes sur le terrain, les agents de contrôle de l'ART constatent des insuffisances en ce qui concerne notamment la qualité de service, la couverture et la performance des réseaux d'accès, les offres tarifaires et l'utilisation des fréquences radioélectriques. Dans l'optique de réparer dans l'extrême urgence cette situation préjudiciable aux consommateurs des produits et services de communication électronique, le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, Philemon Zozam, agresse des mises en demeure aux opérateurs de téléphonie mobile. Par ailleurs, le patron de l'ART programme une série de missions d'évaluation des systèmes de monitoring de la qualité de service proposés aux abonnés. Rappelons que la première mission d'évaluation s'est tenue le 25 octobre 2022 dans la ville de Douala. Une mission très importante qui permet aujourd'hui d'identifier les multiples problèmes que vivent les citoyens au quotidien en matière de téléphonie mobile. Au regard de toutes ces actions, l'on constate que l'ART assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et des exploitants du secteur des télécommunications. Sous la houlette de Philemon Zozam, elle poursuit ses objectifs de régulation qui consistent tour à tour à garantir une concurrence saine, loyale, transparente et objective, à attribuer les ressources en numérotation et fréquence, à veiller à la mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national. Elle assure également le suivi des obligations contenues dans les cahiers de charges des opérateurs et à garantir la protection des consommateurs à travers des offres de qualité et à des prix abordables. Le directeur général de l'ART ne ménage aucun effort afin que la fourniture optimale des services de communication électronique soit rétablie dans les meilleurs délais et rassure par la même occasion l'opinion publique sur le retour à la normale.